Hey, c'est moi. Je viens de voir des unités sur la troisième. Oui, on dirait que ce bon vieux Hermann Schulz est de retour. Shocker. Il vient pas d'être libéré sur parole. Si, mais ça devait pas lui plaire. Pas de soucis, Hermann est un rigolo. Je l'aurais ramené sur Riker avant l'extinction des feux. Après un tête-à-tête avec mon ex que j'ai sauvé de criminels masqués, maintenant, je vais dérouiller un fou furieux qui commet des vols grâce à des ondes de choc. Un jour comme un autre dans la vie normale de Peter Parker. Eh ben, la moitié des tours de surveillance sont déjà réactivés. Quand l'inspecteur Spider est sur le coup, quels que soient les obstacles, résultat garanti. Non. Elle refusait de l'admettre, mais la capitaine commençait à apprécier l'inspecteur Spider. Sa manière désinvolte de bousculer l'ordre établi lui apportait une bouffée d'air frais. Et elle finirait par s'y faire. Peter, je voulais m'assurer que tu n'as pas laissé traîner dans le labo les équipements que tu construis pour ton ami. Ça ne me dérange pas, mais si le comité des subventions devait repasser... Pas de soucis, Doc. Je fais en sorte de rien laisser traîner. Mais je sais que mon ami apprécie que vous pensiez à lui. Il y a beaucoup de gens qui l'apprécient pas trop. Ce bouffon de Jameson et son auditoire de moutons, je t'en prie. Les gens qui font de grandes choses dans ce monde sont ceux qui ne se laissent pas marcher sur les pieds par des zèbres dans son genre. Des gens comme nous. Bien parlé, Doc. Prenez soin de vous. Herman. Sérieusement ? Laisse tomber, t'arriveras jamais à m'avoir. J'ai déjà entendu ça quelque part. Je veux pas te faire de mal. Ce serait une perte de temps. Oh ! C'est gentil de ta part. À quoi va te servir l'argent, Herman ? Qu'est-ce que ça change ? Rien, en fait. C'est juste histoire de faire la conversation. Dommage! Ce serait beaucoup plus épanouissant si on partageait nos sentiments! Oh, pardon, j'oubliais. Tu n'as pas de sentiments. Allez, Hermann, parle-moi! Que ça soit un minimum intéressant! Hermann! Quoi? Faut... Voilà. Parlons un peu. Franchement, Hermann, fallait vraiment que tu remettes ça? Tu sais bien que la police te surveille de près. Bon, d'accord, t'es pas très malin, mais à ce point-là, ça devient criminel. Faut vraiment être désespéré. Ce qui me fait penser que tu fais pas ça par choix. Tu dois travailler avec quelqu'un. Ou pour quelqu'un. Tu peux me dire tout de suite qui c'est? Ou me forcer à te taper dessus. C'est toi qui vois. T'as le charisme d'une huître, mais ton costume déchire. Tu veux bien qu'on parle design ? Ouais, plus tard. Beau travail, Spider-Man. Vous avez réussi à en savoir plus sur son mobile ? J'ai essayé, mais il est pas très bavard. En plus, je pense qu'il me déteste. Je crois que c'est le cas de pas mal de gens, vous savez. Mais vous, vous m'aimez bien, non ? Disons que je vous tolère. Oh ! C'est la première fois que vous me dites un truc aussi sympa. J'ai un petit peu de temps libre. Je vais enfin pouvoir m'intéresser à ce masque. Oh, c'est MJ. Salut MJ. Tu dors pas ? Je viens de regarder les infos. Apparemment, tu t'es bien amusé avec Shocker ce soir. Ouais, il était plus coriace que d'habitude. Au fait, merci pour le dîner. Qu'est-ce que je te dois ? T'as tiré un service ? T'as toujours le masque de la galerie ? Ouais, bien sûr.
J'allais justement au centre Fist pour en parler à Martin Lee. Martin Lee? Pourquoi? Il a étudié l'histoire de l'art. Si quelqu'un sait d'où provient ce masque, c'est bien lui. Cool, tiens-moi au courant. Comme je te le disais, je crois qu'on est loin de tout savoir. Et je compte bien y remédier. Ok. Et du coup, je peux t'appeler quand je veux? Ouais, bien sûr, pas de problème. Donc, on se parle à nouveau? Cool. Le jour se lève. Monsieur Lin va plus tarder. Oula, j'ai un petit creux, moi. Monsieur Lee doit être à son bureau à cette heure. Peter. Que puis-je faire pour toi ? Pardon de vous déranger, monsieur Lee. J'ai une amie, Mary Jane, qui est journaliste. Elle écrit un article sur l'importation d'œuvres d'art et elle a trouvé cette pièce. Elle voudrait avoir l'avis d'un expert et je sais que vous avez un diplôme. Et ça pourrait bien être la première fois de ma vie que je peux l'utiliser. Alors, montre-moi ça. Intéressant. Où l'a-t-elle trouvé ? Je sais pas vraiment. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une réplique d'un ancien masque d'opéra chinois. J'en ai pas vu depuis des années. Ce symbole juste ici peut se traduire par démon. Démon ? Mon père me lisait des contes d'horreur avec ce masque et ce symbole quand j'étais petit. J'en avais une peur bleue. Peter, écoute-moi. Ce masque... il pourrait être lié à des personnes dangereuses. Mary Jane devrait trouver un autre sujet d'article. Quoi, vous pensez qu'elle est en danger ? Je sais pas. Mais pourquoi tenter le diable ? Hey ! Bon, le symbole dans le masque veut dire démon. Monsieur Lee avait l'air terrifié, je l'avais jamais vu comme ça. Il m'a même dit que tu ferais mieux de laisser tomber. Il rêve. Tu crois que Monsieur Lee en sait plus que ce qu'il veut bien nous dire ? Non, je crois plutôt qu'il a eu une sorte de flashback. Je sais qu'il a eu une enfance assez traumatisante. Ouais, ça doit être ça. Des démons, hein ? Accrocheurs ? Ok, j'ai du boulot. À plus tard. Bon, je dirais que ça s'est pas trop mal passé. Ça fait pas des masses. Je préfère vivre dans la rue que demander de l'aide à mes parents. Pete, content de te voir. Allez, j'ai du temps à tuer avant de retourner au labo. Spidey va en ville se dégourdir les pattes. Allô ? Peter ? C'est le docteur Octavius. Bonjour, tout va bien ? Le première classe Texidor est là pour un essayage. J'avais complètement oublié. Enfin, non, pas oublié, mais bref, j'arrive tout de suite. Ces retards deviennent une habitude. Ressaisis-toi, Peter. Tu vaux mieux que ça. Ah, il a raison. Comment j'ai pu perdre la notion du temps ? Peter, Monsieur Lee m'a parlé, et il avait l'air soucieux. Tu ne fais rien de dangereux, dis-moi. Oh, c'est juste Mary Jane qui est sur un reportage. T'inquiète pas, je veillerai à ce qu'elle soit prudente. Dis-moi que vous vous êtes remis ensemble. On se parle à nouveau, sans trop forcer. J'espère que j'ai pas froissé Monsieur Lee. Il est juste tracassé. Ça m'a touché de le voir comme ça. Je savais qu'il t'aimait bien et admire ce dévouement que tu as pour les autres. Je pense que tu lui rappelles sa jeunesse. Deux orphelins, deux brillants esprits. En tout cas, l'admiration est réciproque. T'as un chouette patron, Tante May.
Je lui transmettrai. Je t'aime, Peter. Attention, on nous signale un enlèvement. Ça marche comment ? Exactement comme un bras normal. Vous pensez à ce que vous voulez lui faire faire, et... Yes ! Hey, mais où vous allez comme ça ? Ce site vient d'être classé dangereux. Non mais, arrêtez ça immédiatement! Cet équipement est particulièrement sensible. Ça suffit, j'appelle le bureau du maire. Peter Parker! Ça alors, comment vas-tu? Pile quand on parle du loup. Monsieur Osborn! Oh, je t'en prie, depuis combien de temps on se connaît? Appelle-moi monsieur le maire. Non, voyons, Norman. Norman. Norman, qu'est-ce qui te passe par la tête? Les dispositions relatives à la sécurité dans l'accord que tu as signé sont strictes. Et ce n'est pas ton premier écart. Tout a été justifié. Par moi. On aurait dû confisquer cet équipement il y a longtemps. Mais j'ai fait une percée. Merci beaucoup d'avoir servi si noblement notre pays. Ces personnes vont vous escorter chez Oscorp Robotics, où vous recevrez ce qui se fait de mieux en matière de prothèses. Gratuitement. La sécurité n'a rien à voir là-dedans, pas vrai ? J'essaie seulement de t'aider, Otto. Tu es libre de poursuivre ton travail avec une sécurité mieux encadrée. Chez Oscorp. Tu as toujours été quelqu'un d'intelligent, Otto. Tu n'as pas changé d'un pouce. Toi non plus. Tiens, Peter arrive à rentrer de son voyage en Europe en début d'année. Peut-être pourriez-vous concrétiser ce projet dont vous parlez depuis si longtemps. Ceci est une opportunité à saisir. Attention, doucement. Doucement. Ils nous ont pas tout pris. Nous pouvons peut-être encore... Peter, il n'y a pas de nous. Sans les subventions de la ville, je n'ai plus les moyens de te rémunérer. Il faut que je réfléchisse. Si j'étais toi, je chercherais un autre travail. Si seulement je pouvais faire quelque chose pour Doc. Appeler Harry, peut-être ? Lui dire de parler à son père ? Non, il n'écoute jamais. Norman a tenté de torpiller les financements de ses stations de recherche. Hé, il y a une de ses stations pas loin. Je devrais aller voir ce qui se passe là-bas pendant qu'Harry est en Europe. Il faut que je file un coup de main à Doc. Je vais y réfléchir. Harry m'a laissé un message à leur sujet avant de partir pour l'Europe. Salut Peter, j'ai un service à te demander. Ma mère avait un projet qui lui tenait à cœur, des stations de recherche au service de la population. Je les ai lancées, mais maintenant que je suis absent, Oscorp risque de les arrêter si elles ne s'avèrent pas rentables. Est-ce que tu veux bien y jeter un œil ? J'ai laissé des notes sur chacune. Merci, mec. Tant que ces stations sont là, c'est un peu comme si ma mère était là aussi. Deux de mes stations contrôlent la pollution de l'air. Le but, c'est d'identifier les polluants avant qu'ils n'atteignent un niveau toxique. Entre nous, je soupçonne Oscorp de souhaiter qu'on échoue pour ne pas montrer qu'eux aussi polluent. Le taux d'hydrocarbures polycycliques est beaucoup trop élevé. Et il augmente encore. Si ça continue, il pourrait y avoir des morts. Les particules se concentrent à des endroits spécifiques. Je vais traverser des mini-nuages de pollution pour récupérer des échantillons et remonter à la source.
Pas ragoûtant, mais il va falloir que je traverse ces nuages. À l'œil nu, le niveau de toxine doit être sacrément élevé. Et voilà! C'est très bien ce que je récupère. Enfin, les échantillons, pas les toxines. C'est bon! J'ai sniffé un pot d'échappement. Ils doivent tous paniquer à me voir comme ça. Rien de très inhabituel. Bon. Les toxines proviennent de deux types de voitures et d'une cheminée défectueuse. Prenons tout ça en photo. Parfait. Celle-là. C'est la meilleure photo de cheminée de toute ma vie. Le service de la protection de l'environnement s'occupera du reste. Je pourrais peut-être me faire un costume vert pour le jour de la Terre. Cette station a permis d'éviter une vraie crise sanitaire. Oscorp pourra pas dire que les stations d'Arin ne servent à rien. Spider-Man, Shocker s'est évadé. Il est en train de dévaliser une banque sur East et la Compéienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Y a eu une mauvaise onde? En quelque sorte. Un des gardes est allé à sa cellule et l'a libéré avant de lui rendre son équipement. Je savais que Shocker travaillait pour quelqu'un. Est-ce que le garde a parlé? Non, malheureusement, il est mort. Celui qui lui a demandé de libérer Shocker n'a pas voulu prendre de risque. La poisse! D'après la vidéosurveillance, le garde était dans une sorte de transe. Et c'est peut-être dû à l'éclairage. Mais on aurait dit que ses yeux brillaient. Un vrai film d'horreur. Bon, je vais voir ce que je peux tirer de Shocker quand je serai à la banque. Peter, j'ai mené l'enquête sur les démons. Apparemment, ils ont profité du vide laissé par Fisk pour commencer à prendre le contrôle. Un vide que j'ai créé en écartant Fisk. Jameson avait raison. C'est de ma faute s'ils sont là. Et t'étais censé faire quoi? Laisser Fisk jouer aux parrains? Tu vas bien? T'as l'air moins en forme que d'habitude. Ouais, je crois que je viens de perdre mon job. La ville, enfin, Norman, a coupé nos subventions. Oh, Pete, je suis désolée. Si Harry était là, il pourrait essayer de raisonner son père. Vous trouverez d'autres financements. Votre travail a trop d'importance. Merci, MJ. À la prochaine. Herman! Ça faisait un bout de temps! Eh, je suis pas avocat, mais je suis à peu près sûr que t'es pas censé faire ça. Oups, on dirait qu'on en a pour un moment. Tu veux jouer aux devinettes? Non? La garde est pousse alors. Très bien, on va régler ça au point. Wow! Ton équipement a bien été amélioré, on dirait. À ton service. Si tu veux te battre, on va se battre. Ha! J'ai hâte que tu sois en prison pour qu'on puisse parler science. Tu te rappelles notre premier combat? T'étais jeune, t'es stupide. Et toi? Eh bah, seulement stupide. Oh, tu parles trop! Ça, c'est ton avis personnel. C'est vrai, y a aucune mesure officielle du temps de... Là, je peux lui faire vraiment mal. Pourquoi tu fais ça, Herman? Parce que sinon, ils vont me tuer!
Les gens vont plus vraiment à la banque. T'as de la chance d'avoir trouvé de l'argent. Si tu veux vraiment toucher le pactole, essaie les crypto-monnaies. Ça cartonne. Attends. Oh non! Oh, sérieux, Herman? Si tu me dis pour qui tu travailles, je t'aiderai à négocier ta peine. Si je pars, je suis mort. Ils ont été très chers là-dessus. Abandonne avant de te faire vraiment mal. Tu m'inquiètes un peu, Herman. Y'a pas beaucoup de personnes qui arrivent à te faire peur. C'est même pas une question de personnes. Pas savoir qui cache tes masques. Attends, t'as bien dit masque ? Rends-toi maintenant et on le protégera ! Tu rêves ? T'as pas vu ce que j'ai vu ? Espèce de sale ! Ok, dernière chance de prendre ! Cette fois, je vais me fâcher! Arrête de bouger! Bon, jusque-là, j'étais gentil, mais là, je rigole plus! Dernière chance! Désolé, Herman! La sentence est tombée. Littéralement. Ah. Il était terrifié, désespéré. Ces démons sont vraiment partout en ce moment. C'est bon, Yuri. Shocker est tout à vous. Bon travail. On lui a réservé une cellule spéciale au Raft. Cette fois, on fera en sorte qu'il reste derrière les barreaux. Au fait, je suis presque sûr qu'il travaillait pour le gang des démons. Le gang des démons ? On dirait un gros titre du Daily Bugle. Hé ! Le Bugle est un excellent organisme de presse. Je sais pas si on peut parler de presse. En tout cas, il paraît qu'ils sont de très bons journalistes. Mais bref, vous avez eu d'autres signalements de démons de type masqué ? Je vous rappelle pour vous dire ça. En fait, dans quel état vous avez laissé la banque ? Je doute que ça vous plaise. Oh, j'aurais dû m'en douter. Combat contre Shocker a pris du temps. Je devrais me faire une séance de rattrapage dans la ville.